de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer un petit peu dans le thème de la première vidéo que je vous avais faite donc il y a de ça quelques jours, là, de la dernière, parlant du fait de savoir si Jésus était vraiment l'Éternel, si il n'y avait qu'un seul Dieu, si voilà. Donc vous avez été nombreux à répondre, j'ai vu des commentaires vraiment, en fait vous savez, il y a des commentaires qui sont très intelligents, il y a des commentaires qui sont très charnels. Voilà, je vous ai toujours parlé avec beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise, comme le faisait l'apôtre Paul. Et je pense que la sincérité, la franchise est quelque chose qui est très important si l'on veut progresser. Et il faut, en tant que spectateur, recevoir les paroles avec beaucoup d'humilité. Parce que l'humilité est quelque chose qui fait que nous allons nous remettre en question. Et quelque chose aussi qui fait que nous allons peut-être voir et comprendre des choses que nous n'avions pas compris ou assimilées antérieurement. Et aujourd'hui, je voudrais dans cette vidéo vous apporter des versets complémentaires qui vous montrent une chose vraiment très claire. C'est que tout simplement, Jésus était et est toujours le Dieu vivant, celui qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Vous allez voir dans différents passages qui sont extrêmement clairs. Et d'ailleurs, Paul en a parlé clairement par l'onction du Saint-Esprit, en donnant des passages vraiment très clairs et des accomplissements prophétiques qu'on va voir justement dans cette vidéo qui sont vraiment très puissants. C'est de la nourriture solide, hein, c'est de la nourriture solide et spirituelle. Donc il faut, on va dire, comme je vous disais, prendre un peu de recul et demander au Saint-Esprit vraiment de nous guider à comprendre ces choses. Parce que là, on est vraiment dans des choses qui sont compliquées à comprendre si le Saint-Esprit n'est pas avec nous pour nous accompagner, hein, et nous permettre justement cette compréhension. Alors, première parenthèse, je voulais revenir sur le passage de Philippiens 2:7. Où ce passage nous explique que Jésus s'est dépouillé. On va le lire d'ailleurs, regardez. Donc Philippiens 2:7, mais il s'est, donc on parle de Jésus, dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alors, s'il n'y avait pas cette petite phrase de la fin qui disait « en devenant semblable aux hommes », on aurait du mal à comprendre parce que on voit bien que Jésus s'est dépouillé de quelque chose, pour faire quoi? Pour prendre une forme de serviteur. Alors on pourrait très bien dire qu'il était sur la terre peut-être voilà, une grande personnalité, et il s'est mis au niveau d'un serviteur. Mais là, on voit qu'il y a un complément à la fin de la phrase qui nous dit « en devenant semblable aux hommes ». Donc ce qui veut dire que son statut n'était pas celui d'un homme. Et qu'il a aussi régressé. Il s'est rabaissé pour prendre le rang d'un serviteur. Donc il a changé de statut et il a changé également de rang. Donc ce passage que certaines personnes m'ont fait justement remarquer et qu'ils n'ont pas compris, m'ont dit que ce passage était entre guillemets sorti du contexte. Mais ce passage est vraiment très clair. Et même si on reprend Philippiens du chapitre 1 jusqu'au passage en question, on se rend bien compte que ce passage nous explique de façon très claire que Jésus, premièrement, s'est dépouillé de quoi? De son rang de Dieu, tout simplement. Il s'est levé de son trône, il s'est dépouillé de son rang de Dieu pour, premièrement, devenir semblable aux hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait également? Il ne s'est pas contenté de cela. C'est pour ça que je vous dis que le Dieu est un Dieu vraiment humble et que Dieu ne peut pas aimer l'orgueil parce qu'il a été un exemple d'humilité la plus parfaite et la plus totale. Et donc, comme je vous disais, donc, il s'est dépouillé de sa gloire en devenant donc semblable aux hommes, dans le corps d'un homme, dans la chair, et il a également pris, non pas un statut de roi, il aurait pu dire « je suis le roi sur cette terre », mais non, il s'est mis au rang de serviteur. Donc on a deux actions que le Seigneur a entreprises, que Paul nous explique très bien dans cette lettre aux Philippiens, et je vous expliquerai toujours une chose qui est très claire et très...
qu'il faut comprendre, c'est que on ne lit pas la parole de Dieu de façon charnelle. On lit la parole de Dieu non pas non plus de façon physique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, et on a deux catégories de personnes. On a ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, qui comprennent les choses et les messages qui sont cachés. Ce sont des mystères que Dieu révèle par le Saint-Esprit. Et il faut bien prendre la parole de Dieu dans le sens spirituel. C'est pour ça que j'expliquais aussi que lorsque l'on parle que Jésus est assis à la droite du Père, il n'est pas assis sur un trône à côté du Père, il est assis sur le trône, mais Jésus, en fait, est un plan que Dieu a choisi. C'est pour ça que la droite, on peut l'appeler également la justice de Dieu. Cette droite où Dieu s'est incarné dans le corps d'un homme est la justice par laquelle, comme la Bible nous dit, Dieu va juger les hommes par rapport à la foi qu'ils auront placée en ce plan. Et ce plan, on ne peut pas le rater. À partir du moment où vous cherchez après Dieu, à partir du moment où vous aimez le Seigneur, Dieu se révélera automatiquement à vous. Et la Bible nous dit même que personne à la fin ne pourra nier durant son existence avoir entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit bien que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la terre. Donc pas une partie, pas la grande majorité, à toute la terre. Et c'est pour ça que Dieu jugera par ce nom. Et le Seigneur nous dira, je suis venu sur cette terre en la personne de Jésus, je me suis mis serviteur, j'ai racheté les péchés de l'humanité, j'ai terrassé le diable et ses plans, je vous ai donné la victoire, je vous ai donné la puissance, je vous ai donné mon héritage par lequel vous pouviez sauver des gens en témoignant, en guérissant des malades, en prêchant l'évangile comme je vous ai demandé. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont fait de ce nom ? Est-ce qu'ils se sont confortés dans de fausses religions ? Est-ce qu'ils ont cherché après Dieu ? Est-ce qu'ils n'ont pas cherché ? Qu'ont fait les gens du nom de Jésus-Christ ? C'est le plan parfait de Dieu et c'est pour ça qu'on dit que la droite de Dieu est tout simplement sa justice. Voilà, donc il faut bien comprendre ces choses-là, frères et sœurs. On va continuer donc, regardez, avec ce passage qui est un accomplissement prophétique. Donc on va d'abord lire un petit passage dans Ésaïe 43, 11. Ce passage nous dit, regardez bien, « C'est moi qui suis l'Éternel et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Donc là, l'Éternel nous dit bien que il est le Dieu vivant, il est l'Éternel des armées, et en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Donc ce passage nous dit bien, en dehors de l'Éternel, il n'y a point de sauveur. Maintenant, lorsque l'on lit Ésaïe 44, 8, donc on sait que bien sûr Jésus est le sauveur du monde, donc déjà on peut faire une première similitude, parce que l'Éternel dit qu'il y a en dehors de lui aucun autre sauveur, donc on voit bien qu'il y a un seul Dieu, hein, il n'a pas dit je vous envoie quelqu'un d'autre, il a dit en dehors de moi il n'y a pas d'autre Dieu, donc il n'y en a qu'un seul. Ça, ce passage est vraiment très très clair. Lorsque l'on voit maintenant dans Ésaïe 44, 8, ce passage nous dit n'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Donc là, le Seigneur, dans ce passage, réitère le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il dit bien qu'il est un rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. Donc il est un rocher sur lequel on peut s'accrocher, s'appuyer durant notre vie. Et ce passage a un accomplissement prophétique que l'on peut voir notamment dans le Nouveau Testament. On va le lire juste après. On peut regarder aussi un autre passage dans 2 Samuel 22, 47 qui nous dit « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher ». On voit encore que l'Éternel était assimilé, comparé à un rocher. C'est le rocher qui nous permet de tenir le coup dans cette vie, d'avoir la vie éternelle. « Que le Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté ». Donc là, on est dans 2 Samuel 22, 47. Et on a ensuite, dans le psaume de David, le 18, 3, « L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma hâte retraite. » Donc là, on voit bien aussi encore cette appellation de rocher. Et on finit par Ésaïe 26, 4. « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel... L'Éternel est le rocher des siècles. » Donc on a beaucoup ce mot rocher en fait. C'est, vous savez, hein, quand on est au milieu d'une mare d'eau, au milieu d'une mare de péché, et qu'on n'a rien pour s'accrocher, imaginez-vous quand on tombe dans un puits par exemple, quand on a un rocher qui est au milieu du puits, la première chose sur laquelle on va faire, c'est on va aller s'appuyer dessus, ça nous permet de nous empêcher de se noyer.
Et c'est ce que le Seigneur a fait en fait. Il est notre rocher dans un monde de péché. Si on s'appuie sur lui, on ne se noiera pas et on aura la vie éternelle. Donc là, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, a parlé dans l'Ancienne Alliance de façon très claire. Et d'ailleurs, tous les prophètes, que ce soit Samuel, Ésaïe, David, tout le monde parlait de l'Éternel comme étant un rocher. Maintenant, on va voir ce que Paul a reçu par justement le Saint-Esprit. Et vous allez voir de façon très claire. Alors, je tiens à rappeler que Paul était quand même un grand érudit de la loi juive. C'était quelqu'un vraiment d'extrêmement cultivé, c'était quelqu'un de comme un docteur de la loi, vraiment quelqu'un qui connaissait les Écritures sur le bout des ongles, très assujetti à la lecture, à l'enseignement. Il avait vraiment une intelligence supérieure, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'extrêmement cultivé. Et il faut savoir que Paul avait été enseigné donc par Gamaliel, qui était donc un docteur de la loi dans le temple et qui faisait partie donc de la haute autorité pharisienne. Donc c'était pas Paul a quand même reçu, on va dire, un enseignement puissant et vraiment incroyable quand même. Hein. C'était pas rigolo. Et quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 10, c'est une révélation vraiment stupéfiante et incroyable que je vais vous montrer aujourd'hui. Et on va donc regarder, on va commencer à lire donc le premier chapitre. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres, donc là il parle vraiment de tous les ancêtres juifs, ont tous marché sous la conduite de la nuée et ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, regardez frères et sœurs, et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Donc ce passage est incroyablement puissant parce que toutes les fois où nous envoyons le rocher qui est cité dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et bien en fait ce rocher était ni plus ni moins que Jésus-Christ. Donc on voit dans ce passage, c'est quand même vraiment incroyable. Jésus a toujours été là en fait. Jésus était toujours là. Et Paul le dit clairement, ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Donc, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose. La Bible nous le dit de façon très claire. La parole a toujours été présente et la parole s'est faite chair. Donc ce passage aussi nous le dit clairement, la parole s'est faite chair. Donc elle est passée d'un état de Dieu à un état de chair. Donc c'est aussi un passage qui est très éloquent sur le fait que Dieu s'est dépouillé et est venu dans la chair, hein, pour se mettre à notre niveau. Donc il faut aussi prendre ce passage extrêmement en considération. Et il y a encore beaucoup d'autres passages. Je ne vais pas aujourd'hui tous vous les citer, mais il y a encore énormément de passages qu'on pourrait justement regarder ensemble. Ce sont des accomplissements prophétiques, ce sont des choses que Dieu a citées 2000, 3000 ans avant et qui se sont accomplis par Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu, la Bible, est quelque chose vraiment de puissant et c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si Saint-Esprit n'est pas avec nous. Vous savez, on grandit de jour en jour et aujourd'hui, penser qu'il y a deux dieux distincts, c'est quelque chose qui n'est pas biblique. C'est pour ça que je n'utilise pas le mot Trinité, parce que la Trinité, déjà, le mot, vous ne le trouverez pas dans la Bible. Je préfère parler de triunité, c'est-à-dire un Dieu qui peut prendre trois formes différentes. Hein? On a souvent, je fais l'exemple avec l'eau. L'eau est bien un seul et même élément, mais qui peut avoir plusieurs formes. On peut avoir de la glace, on peut avoir de la vapeur, et on peut avoir de l'eau. Donc l'eau, on pourrait l'assimiler par exemple à Jésus, la glace étant le Père, donc le Père peut devenir de l'eau pour devenir Jésus, mais peut aussi devenir de la vapeur pour guider les hommes par le Saint-Esprit. Et il peut être les trois en un, parce que la Bible nous dit que le Seigneur est omnipotent et omniprésent. C'est-à-dire qu'il peut vraiment être partout à la fois, sous plusieurs apparences. On a vraiment un Dieu qui nous dépasse. Vous savez, c'est quelque chose qui est peut-être dur à comprendre pour ceux qui démarrent dans la foi ou qui n'ont pas encore le regard spirituel, mais c'est quelque chose qui, vraiment, vous devez demander au Seigneur de vous aider dans ce domaine pour que vous puissiez vraiment comprendre les choses cachées. La parole de Dieu est faite de révélations, hein, et la révélation est faite par le Saint-Esprit lorsque nous lisons la Bible,
plus nous allons lire, plus le Seigneur va nous révéler les choses. La révélation n'est pas quelque chose que Dieu vient vous donner au milieu de la nuit en disant, bah voilà, demain, il faut que tu fasses ça. Ça, ce sont des messages pour nous guider dans la vie. Parce que le Seigneur peut nous emmener à faire telle ou telle action pour lui, pour son royaume et pour sa gloire. Mais la révélation se fait par la lecture de la parole de Dieu. Donc, quand vous lisez votre Bible, Dieu vous révélera des choses, des mystères qui vont vous réjouir, qui vont vous encourager, qui vont vous fortifier, qui vont vous permettre aussi d'avoir peut-être les mots justes lorsque vous allez prêcher la parole de Dieu, qui va vous permettre de répondre à des questions lors de, par exemple, de sessions d'évangélisation. Donc, on a vraiment un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est puissant. Et n'oubliez pas une chose, la parole de Dieu nous dit bien de façon très claire, et il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, parce que le Seigneur s'est gardé une part de mystère. Donc, on ne peut pas tout comprendre et tout expliquer. La Bible nous dit bien qu'il y a des mystères que le Seigneur s'est réservés, qu'il garde pour lui, parce qu'il n'a pas jugé bon que nous les connaissions tout de suite. Et d'ailleurs, Jésus avait même dit aux apôtres, vous ne comprenez pas déjà les choses qui sont terrestres, alors si je vous parle des choses célestes, vous serez encore plus dépassés. Les apôtres n'auraient absolument rien compris, parce que tellement c'est grand, tellement c'est puissant, tellement ça nous dépasse. Et la Bible nous dit également que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, et les pensées de Dieu sont tellement, tellement, tellement plus éloignées que celles des hommes, que tout ça, ça nous dépasse. Et le Seigneur nous a sauvés par une folie. Il faut bien le comprendre également. La Bible nous dit bien que c'est par la folie, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à comprendre que Dieu ait pu venir par son esprit dans le corps d'un homme, faire des choses sur terre, nous ouvrir la voie vers la vie éternelle. Et Dieu, dans son amour, n'a même pas laissé les gens qui sont morts pendant le déluge. Il avait même été leur prêcher et les sauver pendant les 3 jours où il a été dans les ténèbres, avant la résurrection. Donc tout ça dépasse la plupart des gens. Et sachez une chose aussi, c'est vrai que on a un choix. Dieu veut qu'aucun périsse, mais le Seigneur, Jésus l'a dit lui-même, il connaît déjà le futur, il sait déjà ce qui va arriver d'avance. Et il l'a dit aussi, Jésus, lorsqu'il était avec les apôtres, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. » Jésus a parlé de multiples façons qu'il était vraiment... Il a montré, il a même parlé comme ça, les Juifs avaient compris qu'il se faisait l'égal du Père. Mais ils ne voulaient pas l'accepter. C'était quelque chose d'inconcevable parce qu'ils voulaient un grand roi qui vienne, qui détruise l'Empire romain. Et ils n'ont pas accepté que le Dieu vivant soit simplement un serviteur, qui soit pas forcément beau physiquement. La parole de Dieu nous explique dans Ésaïe que Jésus n'était pas un homme attirant physiquement. Donc les Juifs ont dit, c'est quoi ce délire? Ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient pas de ça. Donc c'est là aussi qu'ils ont été orgueilleux, parce qu'ils ont préféré écouter leur propre cœur, leur raisonnement, leurs pensées et leurs envies surtout, plutôt que d'accepter que le plan de Dieu. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable. Et il faut savoir que la parole de Dieu nous dit bien que beaucoup seront appelés, mais il y aura peu d'élus, et que le chemin de la perdition est grand et large, et que beaucoup vont s'y engager. Donc le Seigneur sait aussi malheureusement que, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de personnes sauvées, parce que les gens ne veulent pas sortir du péché, parce que les gens ne veulent pas mettre leur vie en règle, ils ne veulent pas se sanctifier. C'est ça qui est compliqué, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça, le Seigneur connaît les choses d'avance, et il sait également tout ce qui doit arriver. On a d'autres passages qui sont très puissants. Regardez Jean chapitre 8, verset 56, où là le Seigneur parle d'Abraham. Donc le Seigneur connaît Abraham. Abraham, votre père, il parlait aux Juifs, a tressaillé de joie en attendant de voir le jour où le Seigneur allait venir sur cette terre. Et il l'a vu, parce qu'Abraham était déjà dans le paradis, et il a vu le Seigneur descendre. Et il s'est réjoui de savoir que, justement, on est arrivé à ce stade-là. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as déjà vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est là que les Juifs ont pris des pierres. Donc on voit bien que Jésus se faisait l'égal du Père. Jésus est le rocher. L'Éternel a dit qu'il était le rocher. Il y a plein de passages comme ça qui nous montrent bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'Éternel l'a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Et bien sûr, on termine sur un passage le plus éloquent de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit clairement que celui qui m'a vu a vu le Père. Et là, on voit dans Jean 14, 7, ce passage qui dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. »
Donc, les gens qui voyaient Jésus, Jésus leur dit, maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je suis en face de vous. Je suis le Père. Donc, vous voyez, il y a vraiment des passages où Jésus le dit clairement. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, on ne peut pas douter que Jésus s'est fait l'égal du Père. Et le Seigneur l'a dit lui-même, l'a dit aux apôtres. Hein, donc, il faut bien comprendre, quand Jésus s'adressait au Père, en fait, ces choses-là, souvent, il y a des passages qui sortent comme ça et qu'on se pose des questions, on se dit, bon, ben oui, mais pourquoi Jésus parlait au Père? C'était toujours dans le côté spirituel, c'est-à-dire que Dieu était sur terre, mais son esprit est encore dans le royaume des cieux. Parce qu'en haut, dans le royaume des cieux, il y a aussi une activité qui est spirituelle. Et il y a aussi les esprits mauvais qui sont là. Donc, il y a toute une action qui se fait dans le monde spirituel. Donc, Dieu était sur terre, mais en même temps, il était aussi dans le ciel. Donc, Jésus, en fait, communiquait avec l'esprit de Dieu qui était resté en haut. Et bien sûr, il y avait un échange spirituel. Toutes ces choses-là sont des choses vraiment incroyablement puissantes. C'est de la nourriture solide. Ça nous dépasse également. On ne peut pas tout expliquer, comme je vous disais juste avant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Jésus a dit des phrases, il a expliqué des choses sur lesquelles on ne peut plus douter. Donc bien sûr, il faut se sortir de la tête qu'il y a plusieurs dieux, hein, il n'y a pas le Père et Jésus assis à côté, sinon ça voudrait dire qu'on est des polythéistes, hein, il n'y a qu'un seul dieu. Mais voilà, il faut bien comprendre toutes ces choses dans le sens spirituel. Voilà, en tout cas, j'espère, voilà, je pense avoir bouclé la boucle, hein, de est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que, voilà, pour essayer de bien comprendre les choses, j'espère avoir été bien clair. Voilà, priez que le Saint-Esprit, voilà, vous ouvre les yeux et vous aide à comprendre. Je vous souhaite une très bonne journée, frères et sœurs, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est,
qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.